Et salut tout le monde les amis, c'est Player Gamer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau let's play sur du coup Sword Art Online, Last Recollection. Ça y est les gars, le jeu est enfin sorti. Il est temps de le lancer, bon évidemment sur PS4, hein. Avec un bruit de tractopelle, hein, pour la PS4. Donc oui, sur PS4 au lieu de la PS5, hein, évidemment, c'est comme Assassin's Creed, hein, voilà, j'ai toujours pas la PS5. Mais du coup, sur le jeu, il y a une mise à niveau, donc voilà, si jamais j'arrive entre-temps à avoir la PS5, on passera sur PS5, en espérant que la save aussi switch sur PS5, ça serait sympa. Enfin bref, donc du coup, voilà, nouveau let's play, les gars, j'espère que vous allez être tous hype et suivre ce let's play, ça me ferait super plaisir. Donc voilà, après Saul Icoris, ça y est, on enchaîne et on fait Last Recollection, bien sûr. Bien évidemment. Et on va voir ce que vaut ce nouveau Sao. Et du coup, c'est pas anodin, hein, que je vous parle de Licorice, parce que les deux se suivent. Pour un coup, les deux se suivent. Parce que en fait, Licorice, c'était la partie administrator de l'Underworld, on va dire. Et là, du coup, là, normalement, ça va être la partie Dark Territory. Donc voilà, pourquoi pas. Sword Art Online, Last Recollection. Donc c'est parti, let's go. On va voir un peu ce que vaut ce jeu. Donc j'accepte bien sûr. Donc évidemment, hein, je vous le rappelle, hein, nous, ce qui nous intéresse le plus, vous devez le savoir à force, c'est les histoires annexes, hein, c'est pas vraiment la trame principale, quoi. Même si c'est vrai que cette trame principale est nouvelle. Mine de rien. Le mode histoire, le mode de jeu le plus facile, destiné à ceux qui veulent simplement profiter de la narration. Ouais, j'avoue, ça m'intéresse. La difficulté choisie n'affecte pas l'histoire. D'accord. Le rang des ennemis et leur HP augmentent avec la difficulté, mais il est plus facile d'obtenir un meilleur équipement. Bah, en vrai, moi, honnêtement, je vais pas me casser les couilles, les gars. Vraiment, hein, je vais prendre mon histoire, parce que, honnêtement, moi, voilà. Moi, je veux apprécier l'histoire, j'en ai rien à foutre du gameplay. Vraiment, honnêtement. J'en ai rien à branler du gameplay. C'est pas pour ça que j'achète un Sao, hein, c'est vraiment pour l'histoire. Peut-être pas la trame principale, mais surtout pour la trame annexe, quoi. Surtout pour la quête annexe. J'espère qu'il y en aura, d'ailleurs. J'espère. Depuis Lost Song, donc, qui est le premier, enfin, c'est pas le premier, mais premier chez nous, on va dire, il y a eu des histoires, donc bon. Dark Territory à proximité de la porte orientale. C'est parti, let's go, les gars. Capturez-les. Ah là, profitez-en les gars, hein, c'est... Ah, c'est même pas encore une The Cinématique en plus. C'est même pas encore une The Cinématique, parce que tu le vois, c'est graphisme jeu vidéo. Alors, se dresse sur son chemin, derrière elle s'entasse les deux. D'accord. Ni l'épée ni la lance ne transperceront. Ah, j'ai plus le temps. Ok. Bon bah, on voit bien que c'est bien la merde, Dark Territory. Dorossi. Oh la kids. Mais non. Oh, elle est rattrapée, ok. T'as mine de rien, les décors, frère, c'est les, hein. Oh wesh, elle se fait toucher. Ok. Donc du coup, une waifu avec les cheveux blancs, hein, qui a une armure du Dark Territory, donc intéressant. Ah,
世界というものは私が認識して初めて私にとって世界になる。私が死ねば私が見ている世界もおしまい。私が死ねば私は世界が見られない。だからそれは世界の死と同じ。Mais non, ce n'est pas la fin du monde. Allons. そう尋ねる私に母さんは。Ah, la daronne. On le voit avec son rouge à lèvres. Mais la daronne, c'est la même. C'est la même que la fille. Ok. Même si notre chair ou notre esprit meurt, notre vie ne s'arrête pas là. Oh! Kirito Eugeo Fanatio Berkuli. Très intéressant. Kirito en plus, double blade, hein, messieurs, dames. Incroyable ça. Pitié, dis-moi, est-ce que j'ai bien fait ça? Est-ce que j'ai été utile? Ah! Elle est lente cette chute, hein! Putain! Eh, je sais plus une chute là! Ok. Wana. Je l'avais déjà vu, hein, l'opening. Je l'avais déjà vu. Très stylé. Mais le son, j'aime pas, par contre. Le son, je suis pas fan du tout. Mais les images, si on peut le dire ça comme ça, de l'opening Masterclass, bien évidemment. Par contre, la nouvelle, elle fait que de chialer, j'ai l'impression. C'est terrible, hein. Mais du coup voilà, du coup vous l'aurez compris les gars, hein, cette nouvelle waifu et la nouvelle waifu, voilà, c'est la remplaçante de Medina, voilà. De Medina, de première, de Seven Reign, voilà, c'est. Vous connaissez, hein. Dans chaque Sao, il y a une nouvelle waifu originale, et du coup c'est celle-ci. Qui s'appelle a priori Dorossi. Dorossi, ouais, c'est ça. A priori. Donc voilà. L'enregistrement déjà repris. Ça, je sais pas en vrai pourquoi il me fait ça. Ok. Bien. Donc, du coup, comment on commence en vrai? Parce que ça, voilà, ça, c'est une thématique endgame, ce truc-là. Hein. Ok. C'est marrant, ce qui est une verdure et tout. On dirait pas l'Underworld. On est déjà un double blade. Kirito. Qu'est-ce qui ne va pas? Et du coup, d'ailleurs, on contrôle Kirito, hein. Important de le dire, parce qu'oubliez pas, hein, dans Fatal Bullet, on devait créer notre propre avatar. Bon, dans Lycoris, il me semble que c'était Kirito. Si j'ai pas de bêtises, hein, qu'on jouait. Donc voilà, c'est pas trop une surprise, mais bon. Je pensais que tu contemplais un bâton que tu avais trouvé. Tu me prends vraiment pour un enfant, Alice. Je suis trop vieux pour que... Bon, d'accord. Peut-être que si ce bâton était vraiment intéressant... Non, mais tu es le héros qui a sauvé l'Underworld ou un gamin de la campagne? Non, je ne suis pas un héros. Kirito, quoi que tu penses, le reste du monde te considère comme un héros. C'est vrai, tu manques de manière, mais ton talent à épée est indéniable. Tes exploits t'ont également valu le titre de héros, alors agis en conséquence. Vous êtes vraiment sans pitié. Ça me rappelle notre rencontre, vous vous souvenez? Oh putain. Non, rejoins la porte. Ah non, parce que se remémorer, ah, ça pue le récap, frère. Non, c'est bon. Non, non. On sera avec Kirito. Nous approchons de la porte orientale. On nous y attend.
Ah, si merde vraiment de nous skipper ça sans déconner. Ah, c'est bon frère, on la connaît la rencontre. Et même si c'est la rencontre de Licorice, on la connaît aussi. Vraiment. Mais très stylé l'épée de Kirito, sa deuxième blade. Je sais pas d'où elle vient. Parce que la première, on la connaît, hein, c'est... Merde, c'était quoi le nom déjà? Nocturia, je crois? Nocturna? Ça fait un moment. Hein. Le gamin que j'étais n'est plus, je suis un épice d'Underworld désormais. Quoi qu'il arrive, je suis heureux de mettre mon épée au service de ces gens. D'accord. Eh, hey, Asna. Ce que je vais te dire. Ouais. Ce que je vais te dire pourrait faire beaucoup de mal à tout le monde. D'accord. Qu'il en soit ainsi, parle et je t'écouterai. Ouais. Leur but est de créer une IA militaire de type... Ah oui, bah oui. On l'a vu ça par rapport à l'animé, ça. Par rapport à l'animé. Même si je sais plus si Licorice avait le même délire. La nation race a donné un nom à ce projet d'être artificiel. Alice. Le projet Alice. Que dans ce seul et unique but. Et ouais, on a vu l'anime. L'Alice des Chevaliers de l'Intégrité pourrait en être une. Et ouais. Il ne faut rien lui dire, pour l'instant gardons cela pour nous. Eh oui. Tu m'étonnes. Comment ça serait trop la merde. T'as une Vascat Pro en PLS. Hein. Quoi qu'il en soit, je mettrai mon épée au service des gens que j'aime. Ouais, bon, ça on a compris. Ok. Bon alors ici nous passons au vif du sujet. D'ailleurs c'est marrant, on est dans les trucs de verdure comme ça, on est peut-être pas dans l'Underworld, mais on est peut-être pas dans le Dark Territory en vrai. Kirito, ton entraînement n'est plus aussi rigoureux, tu peux encore me tenir tête? Tu as l'air bien sûr de toi, donne-moi tout ce que tu as, noble chevalier. Ah le tuto putain. On va se bouffer le tuto. Forcément, bah tant mieux, en vrai tant mieux, j'ai envie de voir un peu le gameplay, voir si c'est le même que Licorice. Je ne t'avais pas affronté depuis depuis le jardin au-dessus des nuages, pas vrai? Tu parles comme si c'était il y a une éternité, vas-y doucement avec moi, d'accord? Oh le fameux. Oh le troller. Vas-y doucement avec moi frère. Oh le choker. Frappe-moi Kirito, appuie plusieurs fois sur la touche K. Ok. 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 Mais en vrai, je vous dis... Le gameplay de Licorice, mais je me rappelle tellement plus. En vrai, il me semblait qu'il était sympa. En vrai, il est un peu pareil, hein, je crois. Hein. Il me semble. Hein. Bien joué, Kirito. Tu es toujours aussi bon à l'épée, mais tes mouvements sont un peu raides. Maintenant, appuie sur la touche de pas au bon moment pour essayer des attaques. D'accord. Objectif atteint, nice, let's go. Tu as évité ça, on passe aux choses sérieuses. Ok, essaye d'esquiver une attaque et de porter un combo pour finir avec un arc fatal, d'accord. Okay.
frapper un ennemi jusqu'au break. Ah. C'est bon, j'ai réussi. Nice. J'ai réussi le break. Percé. Nice. C'est bon, j'ai réussi le break. Tiens. Il est à terre. L'art maintenant. Starburst Stream. Comment pulvériser Alice en deux étapes. Et voilà. Active un art fatal. Ok. Ouais, ça va, j'aime bien le gameplay, honnêtement, ça va. Je trouve ça fluide, honnêtement. Ça va. Ça va, ça suffira, on va dire. Tu t'es bien défendu, Kirito, c'était un bon combat. On verra vraiment sur le terrain quand il y aura un boss, mais en vrai, ça a l'air pas mal. C'est à moi de te remercier, ça m'a bien aidé de me remettre en selle. Mais tu vois, en vrai, je dis que la PS4 Pro, elle est en sueur, mais en fait, j'ai pas de lag, quoi, tu vois. Mais bon, elle souffre, quoi. Tu n'as rien perdu de ton talent, rejoignons la porte orientale maintenant. Ah, super. Mais je sens bizarrement que Joe va me casser les couilles aussi. Grande route de la butte. D'accord. Ah. Ah oui. Ah, là on rentre dans le sérieux là. Kirito, la porte orientale est en vue, débranchons-nous, Berkeley nous attend. Le fameux Dark Territory. Alors, Berkeley. Chapitre 1. La fille du monde céleste. Ok. Alors, la porte en salle s'effondrait et la guerre avec le Dark Territory est imminente. Rendez-vous à la porte et parlez au commandant Berkeley. D'accord. Les objectifs de quête sont marqués avec l'icône couronne. Ok. La boussole. D'accord. Ok, bon. Ça va. Ça va, ça va. Ah, ça c'est un point de TP, c'est ça? Sauvegarde téléportation. Ah oui, c'est vrai. C'est... Ah putain, ils ont gardé le même système que les Choris. Parce que les Choris, en vrai, les gars, pour save, il fallait avoir des colonnes comme ça, en fait. Tu peux pas... Tu peux pas t'amuser à... T'as pas de save auto et de save dans les menus, quoi. Ça marche pas. Par contre, vachement sensible. La caméra... Qu'est-ce qui brille? D'accord. Ah, je trouve un matos, ok. Matériel, ok, 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 bien. Bah, du coup, c'est parti. Hein, let's go, mais ouais, un peu sensible la cam. Grotte de la butte, zone de la carte, ouais, d'accord. Explorer les quatre coins du monde, ouais, bon, on verra. Hein. On verra si on le fera. Parce que bon, les mondes de Sao souvent sont bien vides, hein, quand même. Voilà, oh, les filles. Toutes les waifus, incroyable. J'ai failli les zapper. Ah, Kirito. Asna, tu es arrivé avant moi, à ce que je vois. Eh oui. Oui, on a appris que la porte orientale était attaquée, on ne pouvait pas rester les bras croisés. Oui, et tu étais dans tous les états, Slika. Ah, Lifa. Le temps qu'on arrive, c'était déjà fini, mais le calm sera de courte durée. Les troupes humaines se pressent de régler ce problème si on pouvait aider. Ah, Lifa! Lifax! Demandons-leur directement. Bonne idée, Berkeley et Zad devraient être droit devant dans cette direction. Très bien, merci, je vais y aller. Ah, magnifique! Kirito, c'est les amitiés avec un certain nombre d'alliés et d'explorateurs par le passé. Au fur et à mesure de votre progression dans l'histoire, vous pourrez les ajouter dans le groupe. Ah, yes! Certainement le fameux délire d'affection, j'en suis sûr, les gars. Ça promet des bonnes heures de farm, hein. Putain. C'est sûr. C'est sûr. Maintenant, la question, c'est est-ce que le farm est plutôt simple à faire ou pas? J'espère qu'il est simple. Parce que s'il est comme Holoware, oh là là, si lui comme Holoarisation, on va péter notre crâne, hein, je vous le dis. Donc on espère que ce soit comme Lycoris. Comme Lycoris, ça allait en vrai. Ça allait. J'ai pris 2-3 bonnes journées à farmer tous les persos, mais ça allait. Bonjour à vous, Kirito Yogeo, et bonjour à toi aussi, Lice. Nous vous attendions. Ah. Ok. C'est donc de ça que tout le monde parlait. Oui, les attaques du Dark Territory. Ok.
Ça ne fera pas empirer les fondements de la porte, mais la situation est grave. Et ça ne va pas en s'arrangeant. Puisque vous avez accepté de nous aider, je tiens à être honnête à ce sujet. C'est pour ça que je voulais que vous le constatiez vous-même. Si une guerre éclate, des hordes d'ennemis s'abattront sur le monde des hommes. La porte ne sera plus leur unique cible, tant de gens mourront. Si cela devait se produire, pensez-vous à être prêt à y faire face? Eh ben ouais. On est Kirito, hein. Pas n'importe qui. Hein. On en a vu un des problèmes. Je ferai tout mon possible, je suis toujours volontaire. Ça me dérange de te mêler à tout ça. Ouf. S'il faut choisir entre ça et ignorer que tu es blessé, je préfère y être mêlé. Comment je pourrais protéger l'une de mes meilleures amies autrement? Mes meilleures amies? Oui, en tant que chevalier, tu seras dans le feu de l'action, on te couvrira. Vous êtes vraiment irrécupérable, fou, vous le savez. Cela dit, il est parfois confortant d'avoir des amis aussi fous, merci. Bon, passons aux choses sérieuses. Quelles sont nos chances en cas de conflit? J'aimerais pouvoir dire que chevaliers d'intégrité sont prêts à tout, mais... Oui, ils n'ont rien à craindre d'une poignée de soldats et de ténèbres. Mais le Dark Territory a l'avantage du nombre. Eh oui. Notre force ne sera peut-être pas suffisante pour la résister, alors... Non mais ça va, en vrai, on est Kirito double blade, frère. On est inarrêtable. Qu'est-ce qui se passe? Oh shit. Ah, c'était le moment, ça. Putain. Les ennemis se battent les uns contre les autres. L'ennemi sombre de mon ennemi reste mon ennemi. Feu, préparez-vous à attaquer. Ah putain, c'est... Dorossi. Ok, intéressant. Attends, il y a un enfant. N'attaquez pas le chevalier dragon, tirez sur le poursuivant. Ouais, vas-y, tirez. Oh. Ah, c'est là où elle a perdu son casque. Et putain, bah heureusement, sinon morte. Mais bon, elle tombe en renonçant là, un peu quand même. Discharge! Oh my god! Oh, le sauvetage miraculeux de Kirito sur la lane! Ok. Par pitié, tiens bon, ma mère a dit que nous devions nous accrocher encore un peu. Et du coup, Anolo Waifu se bat avec une lance, j'ai l'impression, non? Une épée à deux mains, peut-être. J'ai pas trop vu. À toute unité, préparez-vous à attaquer l'ennemi. Bien, je pars devant pour attirer son attention, vous pouvez me couvrir? Ouais, première ligne, Kirito, bien sûr. La first ligne. Le dieu de la cavité ne sourit pas, car l'éternel champion ne vaincra. D'accord. La gloire se dresse sur son chemin, derrière elle s'entasse les déchus. Le nom de l'éternel champion est Dorossi Isaiah Esheva. C'est une... Ouais, c'est une lance, hein, en vrai. Enfin, je sais pas, c'est bizarre le bout, on dirait une hache. Une lance hache? Ah, ou une faux, peut-être. Ne saura pas que sa victoire est certaine. D'accord. Étrange son arme en vrai. À la rencontre. Tatatan. Serais-tu un épice du monde des hommes? Je demande une audience. Ah ouais, carrément. Ah, c'est pas trop le moment. Voilà. Ok, je ne comprends pas trop ce qui se passe, mais... Tu dois parler à un représentant du monde des hommes et tu n'as pas l'air hostile. Tu étais même prête à nous aider, mais avant de discuter, occupons-nous de ça. J'ai bon jusque-là? Ok, allons-y. Oui, tu as toute ma gracieuse d'épaisse cheveux noirs, quel est ton nom? Je m'appelle Kirito. Quand on aura fini, tu devras aussi me donner le tien. Ah bah, elle l'a dit.
Dorothy. En combat, les HP et les PC de votre groupe se trouvent dans le coin. Ouais, bon, ça, on connaît. On connaît, mais la jauge a encore changé. Voilà, c'est différent. C'est différent. Bon, ça, les skills, on connaît aussi. Ah, on peut verrouiller. Ça, c'est bien. Ça, mine de rien, c'est bien. Ah ouais, on peut féliciter et tout. Bon. Compétence d'épée contre. Répondre à certaines attaques ennemies par les compétences d'épée. Et en effet, à contre correspond, permet de dériver vers puissante ce compétence, d'accord. D'accord. Contrer avec carré, d'accord. Tiens. De hurlement noir pour contrer les tirs. L'ennemi utilise une compétence tir. Hurlement noir pour contrer les tirs. D'accord, il faut attendre qu'il utilise sa compétence. Ok. Putain, j'ai pas réussi. Je vais le laisser arriver. Vas-y. J'ai réussi. Je crois que j'ai réussi. Ouais, c'est ça. Nice. J'ai réussi. J'ai fait un contre. Ok. Ok, ça a l'air un peu spé, mais pourquoi pas. Parce que j'ai pas encore compris. J'ai pas compris à quel moment il faut le contrer, en fait. Non, c'était pas ça. On va peut-être attendre plus. J'imagine. Après, je peux passer le tuto, mais bon. Merde, c'est pas ça. Attends, je vais me mettre plus loin, vas-y. Ah, voilà, c'est ça. Ah, il faut vraiment que j'attends qu'il le lance. Ok. Bon. Faut vraiment que j'attends qu'il le lance, en gros, pour que ça passe. Ok, bon. Mettez l'ennemi à terre. Voilà, ça. L'art fatal. Voilà. C'est ça, l'art fatal, hein. Normalement, ça passe. Ouais, voilà, c'est ça, nickel. Nickel, su. Ok, donc le minion ensuite. C'est bon. Sympa les skills, toujours. Hein. Ah, c'est bon, il naît la gargouille, ok. Ça va. Et ben et ils n'ont la gargouille. Hein. Bon, on va la défoncer comme il faut. Tiens, voilà, c'est bon, il est mort. Allez, ciao. Et voilà, ciao Lorziz. Terminé, let's go. On a gagné un vêtement d'ailleurs. Ok, bon, bah les gars, on va s'arrêter là. Je sais, je vous arrête là en plein dialogue, hein, mais voilà, sinon la vidéo va durer une éternité. Donc merci d'avoir regardé ce premier épisode de SAO Last Recollection. J'espère que vous êtes nombreux et nombreuses à suivre. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais du coup, en termes de planning, les gars, pour ce let's play, si pas de vidéo gacha de imminence ou autre en même temps, ça sortirait du coup samedi et dimanche. SAO Last Recollection, donc 2 EP par semaine. Voilà, merci à regarder, n'hésitez pas à vous abonner, hein, le petit commentaire, ce serait super plaisir, le petit j'aime, et n'hésitez pas à follow TikTok. Allez, TikTok et Twitch. Allez, ciao ciao les gars, bye tout le monde, ciao ciao.